Été 1936. Côte est du Groenland. Le voilier polaire, pourquoi pas, du commandant Charcot débarque un jeune ethnologue inconnu. Son nom, Paul-Émile Victor. Le but de son expédition, enquêter sur une population récemment découverte par le reste du monde, les Esquimaux. Au cours des 14 mois de son hivernage, l'aventurier partagera le quotidien précaire d'une famille de chasseurs nomades Esquimaux. Il y vivra l'une des expériences les plus intenses de sa vie d'explorateur. 70 ans plus tard, je pars à mon tour découvrir la côte orientale du Groenland, une région polaire chère à Paul-Émile Victor, mon père. L'objectif de mon voyage, comprendre sa passion pour les Esquimaux, que l'on appelle aujourd'hui les Inuits. Dès les premiers jours, notre travail d'ethnographie commence. Nous étudions les Esquimaux et leur façon de vivre. En été, ils habitent des tentes de peaux de phoque, plus facilement déplaçables suivant l'endroit où la chasse aux phoques est la plus fructueuse. Peuple nomade jusque dans les années 1960, les Inuits se sont sédentarisés. 3000 habitants répartis en 6 villages peuplent cette région de l'est du Groenland. À l'approche de l'été, à la fonte des glaces et de la banquise, des chasseurs, de moins en moins nombreux, partent avec leurs familles s'installer à l'embouchure des rivières et deviennent pêcheurs. Les tentes en peau de phoque ont certes disparu, mais ces derniers chasseurs continuent de perpétuer des traditions millénaires en vivant en harmonie avec la nature. De nos jours, les Inuits ont adopté une alimentation occidentale. À l'époque, la pêche était un des rares moyens de diversifier un régime alimentaire, alors basé presque exclusivement sur la viande de phoque. Au Groenland oriental, seules les glaces et le temps sont maîtres. Depuis toujours, ils dictent aux chasseurs de l'Arctique son comportement. Dans un univers parmi les plus hostiles de la planète, qui ne tolère aucune erreur, l'observation est primordiale afin d'assurer sa survie. Dans cet univers désertique et glacial, la chasse aux phoques est vitale. De ce mammifère marin, tout est exploité. Avec sa peau, les Inuits s'habillaient. Ils se nourrissaient de sa chair et s'éclairaient avec sa graisse. Cette société, Paul-Émile Victor l'avait surnommée la civilisation du phoque. Aujourd'hui, ils ne sont désormais plus qu'une poignée à chasser tout au long de l'année, non plus en kayak mais en bateau à moteur. Le travail de l'homme consiste à chasser le phoque, à construire kayak et oumiak, tentes et huttes, ainsi que les instruments dont il a besoin pour la chasse. Pendant la bonne période de chasse, chaque chasseur peut ramener plusieurs phoques, les très bons chasseurs jusqu'à 10 phoques dans une journée. Celui de la femme commence lorsque le phoque est ramené à terre. Elle dépèse le phoque, détache la peau, suivant une coutume ancestrale. Pour travailler, la femme esquimaux tend les jambes et penche le buste en avant. Sous des latitudes proches du cercle polaire, les preuves du réchauffement climatique de notre planète sont visibles partout. La banquise se réduit aussi bien en superficie qu'en épaisseur. Dans le fjord du Sermilik, éloigné de toute concentration humaine, les glaciers fondent dans des proportions alarmantes. En rapetissant, les glaciers laissent alors apparaître la roche à nu. Jadis emprunté en traîneau par Paul-Émile Victor, le glacier Elheim n'est désormais praticable qu'en bateau à moteur. En 70 ans, ce glacier massif et imposant a littéralement fondu.
So in 60 it was 10 here, and 40 it was about there. Yeah. So in the 30s it was complete glacier. So it goes back. How many kilometers do you think? 20? 20 yeah, 20, 25. And glaciers begin down. Yeah, and we can see over there here. Yeah, I can see this glacier. Yeah. Every year. Every year goes down. L'été, lors de la débâcle, des blocs de glace de toute taille dérivent le long des côtes. Ces blocs, appelés floes, naviguent au gré des vents, des marées et des courants. Ils s'entrechoquent ou obstruent l'entrée des fjords. Naviguer au milieu des glaces est un art que seuls les Inuits maîtrisent. À cause du réchauffement climatique, le morcellement de la banquise s'est accru, rendant les navigations dans les mers de glace encore plus difficiles et plus dangereuses. Territoire autonome depuis 1979, le Groenland dépend exclusivement du ravitaillement en provenance du Danemark. Sept décennies après les séjours de Paul-Émile Victor, la modernité a bousculé les us et coutumes de la société inuite. Celle qui faisait jadis l'éloge de la lenteur et de la contemplation. Avant l'arrivée des premiers missionnaires au début du XXe siècle, les Esquimaux croyaient aux forces de la nature et aux esprits. Les notes et les dessins de Paul-Émile Victor constituent de précieux témoignages sur ces croyances en voie d'extinction. L'humanité garde ainsi une trace de ces contes et légendes chamaniques millénaires. Aujourd'hui, les Inuits sont devenus protestants luthériens. À l'occasion des grandes fêtes religieuses, au début de l'été, la communauté inuite se retrouve au temple. Pour ces grandes cérémonies, hommes et femmes revêtent leurs habits traditionnels et chaussent les kamiks, les fameuses bottes en peau de phoque. En vivant sur cette terre de légende, j'ai enfin compris mon père et sa passion pour le monde des glaces. Ses séjours au Groenland oriental ont été les pierres fondatrices de sa longue carrière d'explorateur, entièrement dédiée au pôle. Lors de ce voyage initiatique, j'ai pu appréhender les profondes mutations auxquelles les Inuits ont dû faire face, afin de prendre le progrès en marche. Avec effroi, j'ai constaté les premiers effets du réchauffement climatique. Le recul des glaciers en est un exemple criant. Ces bouleversements envoient des signaux forts au reste du monde. Les terres polaires sont les baromètres du climat à l'échelle planétaire. Il est temps d'en prendre conscience. Il est urgent d'agir. Sinon, nos déserts blancs, ces sanctuaires de la nature, risquent de disparaître à tout jamais.